Janvier 1868. Comme doit faire tout bon voyageur, nous sommes déjà en selle à 3 heures du matin. Un vent glacial souffle sur la plaine et nous fait grelotter sous nos couvertures. On pourrait être étonné, en pareil cas, de devoir choisir la nuit pour voyager. Mais il est d'usage de profiter des heures de fraîcheur pour faire les marches avant les grandes chaleurs de la journée. Pour le reste, on se fie à la sûreté de pied des chameaux et aux connaissances des guides. Après une halte pour déjeuner, nous continuons notre route à travers des plaines sablonneuses dont la parfaite uniformité n'est relevée que par quelques touffes d'herbes et de rares bouquets d'arbres. Enfin, à midi, nous voyons surgir de l'horizon, semblable à un astre, un globe d'ivoire resplendissant des rayons du soleil, la coupole du Taj. Une heure après, nous passons au galop dans les rues d'Agra. Agra, capitale des provinces anglaises du nord-ouest du Bengale, est une des villes principales de l'Inde. La magnificence des monuments qui l'entourent l'a rendue célèbre dans le monde entier. Nous commençons notre visite par la fameuse forteresse construite par Akbar et qui couvre au sud de la ville un emplacement considérable sur le bord de la Jumna. Elle est enfermée dans une ligne de murailles monumentales en grès rose, avec créneaux dentelés et mâchicoulis mesurant 25 mètres au-dessus du fossé. Quatre portes à pont-levis y donnent accès. Son apparence est imposante et même formidable, mais ses murs, composés de blocs énormes, ne résisteraient pas à une heure de canonnade. En passant le pont-levis, on arrive au Dewan-i-Ham, ou palais de justice d'Akbar, qui étale sa façade de 200 mètres le long d'une cour entourée de cloîtres. La voûte est supportée par trois rangées concentriques de colonnes dont les Anglais ont fermé les intervalles par des cloisons de briques, ce qui empêche de juger les proportions de la salle. C'est maintenant l'arsenal de la citadelle. Les canons et les boulets sont rangés dans la cour. Derrière l'arsenal s'étend le palais impérial, dans le plus parfait état de conservation. Ce sont de nombreux pavillons aux dômes dorés, reliés entre eux par des terrasses, des galeries. Les cours sont encore plantées de fleurs et parcourues de 1000 petits canaux. Sur une terrasse, devant le Dewanikas, on remarque une énorme dalle de marbre noir sur laquelle Akbar le Grand s'asseyait pour rendre la justice. La dalle est fendue en deux et l'on voit au centre deux taches rouges rongées dans la pierre. Selon la légende, lors de la prise d'Agra par les Jats, Suraj Mahal s'assit sur la dalle, y craqua et laissa jaillir du sang. Lord Ellenborough ayant renouvelé le sacrilège, la pierre se fendit tout à fait et saigna de nouveau. À côté du trône impérial est une dalle blanche de petite dimension sur laquelle siégeait le bouffon de la cour, imitant et critiquant les actions de l'empereur. Dans les fondations du palais, s'étend un labyrinthe de vastes corridors d'une grande fraîcheur, où selon la tradition, les dames de la cour, dans un costume primitif, venaient passer les chaleurs de la journée. De là, partent des passages souterrains dont on ignore les issues et qui communiquaient, croit-on, avec la campagne et le fleuve. Il nous reste encore à voir le Taj, la merveille de l'Inde. Nous n'avons, au sortir de la citadelle, qu'à longer la rive de la Jumna pour y arriver. Quelques mots d'abord sur son histoire. Le Taj fut élevé par l'empereur Shah Jahan pour servir de mausolée à l'impératrice Mumtaz Mahal, morte en donnant le jour à
la princesse Jehanara. Cette femme, d'une beauté célèbre, avait inspiré un si profond amour au prince qu'il résolut d'élever en sa mémoire le plus beau monument que l'homme eût jamais conçu. Après un grand concours de tous les architectes de l'Orient, le projet d'Issa Mahomet fut adopté. Commencé en 1630, le mausolée ne fut terminé qu'en 1647. 20 000 ouvriers y furent employés. Le gros œuvre nécessita 140 000 charretées de grès rose et de marbre. Chaque province de l'Empire contribua à son ornement par l'envoi de pierres précieuses dont on retrouve la liste dans un manuscrit de l'époque. Le jaspe vint du Pendjab, les turquoises du Tibet, le lapis lazuli de Ceylan, l'onyx de Perse, les saphirs de Colombo. Malgré ses contributions et le travail forcé des ouvriers, le coût total de cette œuvre gigantesque fut d'environ 60 millions de francs. Le Taj se dresse sur les bords de la Jumna, élevant son croissant doré à 270 pieds au-dessus du niveau du fleuve. Le jardin qui le précède est entouré de hautes murailles crénelées avec d'élégants pavillons aux angles. L'entrée principale est une porte monumentale en ogive contenant plusieurs salles et couronnée d'un cordon de kiosques. Franchissant le portail, on se trouve soudainement en face du Taj qui apparaît dans son éclatante blancheur à l'extrémité d'une large allée pavée et bordée de hauts cyprès. Cette première vue est saisissante. Cette resplendissante montagne de marbre blanc se dresse, surnaturelle, au-dessus de la sombre et puissante végétation qui remplit le jardin. De chaque angle de la terrasse s'élance un minaret de marbre supportant une légère coupole à 150 pieds au-dessus des dalles. L'édifice entier, de la base au sommet, est en marbre blanc incrusté de mosaïques, formant des bandes d'inscriptions, des arabesques, des ornements, et disposés avec tant de goût que, malgré leur nombre, elles ornent le monument sans l'écraser. Il n'est pas une partie de l'extérieur, à l'exception du dôme, qui ne soit ornée de ces merveilleuses incrustations. Ici encore, Hébert dit avec raison que le Taj a été élevé par des titans et fini par des orfèvres. En effet, jamais coffret plus finement ciselé n'est sorti de la main des hommes avant cela. L'intérieur surpasse encore en magnificence l'extérieur. La voûte, les parois, les pierres tumulaires ne sont que mosaïques, bouquets, fruits, oiseaux exécutés en pierres précieuses. Les tombes de l'impératrice et de Chajan sont au centre de la salle, entouré d'une grille de marbre. Un singulier phénomène ajoute encore à l'impression émouvante du lieu. C'est un écho d'une suavité infinie qui ne peut être comparé qu'à celui du baptistère de Pise. Cet écho est produit par le dôme qui ferme entièrement la voûte de la salle et qui forme au-dessus du monument une gigantesque boîte d'acoustique. Selon la règle musulmane, chaque mausolée doit avoir près de lui un lieu de prière. Issa Mahomet construisit donc, à l'extrémité occidentale de la plateforme, une superbe mosquée de grès rouge surmontée de trois dômes. Sa mosquée finie, Issa trouva sa plateforme boiteuse. Le cadre n'était pas complet. Pour y remédier, il éleva à l'est un édifice semblable à la mosquée, mais qui, à cause de sa position, ne pouvait être utilisé que comme pendant. Il l'appela Jawab, ou réponse, c'est-à-dire la réponse à la mosquée de l'autre extrémité. Les rêves de l'architecte s'étendaient encore plus loin. Il voulait élever sur la rive opposée un second âge et réunir les deux monuments par un pont d'une richesse féerique. Son maître se lançait déjà dans cette seconde entreprise quand, détrôné traîtreusement par son fils Aurangzeb, il fut enfermé jusqu'à sa mort dans son palais d'Agra. Comme diverses affaires devaient nous retenir en cette ville pendant une huitaine, je résolus de venir m'installer dans le Taj même. Les Anglais ont en effet établi dans une annexe du mausolée une série d'appartements qui sont mis à la disposition des voyageurs lorsque ceux-ci en font la demande. Dans la journée, nous entrions dans notre nouvelle demeure et dès 4 heures, les portes du jardin ayant été fermées au public,
nous restions les seuls possesseurs de ce féerique coin du monde. Cependant, j'éprouvais un sentiment insolite en me trouvant seul au milieu de cet amoncellement de merveilles. Il me semblait que notre présence en ce lieu était une profanation. Qu'aurait dit cette altière impératrice des Indes, la grande Mumtaz Mahal, si, sortant de dessous son tombeau, elle avait aperçu là, sur la terrasse même du mausolée, deux hommes étrangement costumés, parlant une langue bizarre, assis dans de longs fauteuils à bascule, et buvant dans de grands verres la liqueur aborée du prophète. Nous étions ces deux hommes. La nuit était tombée et nous étions venus nous asseoir sur le bord de la terrasse dominant la Jounda. Je me souviendrai toujours de ces premières heures de l'année 1868. Nous étions là, Schaumburg et moi, plongés dans une muette rêverie dont nous n'avions été tirés qu'un instant à minuit, par l'arrivée de nos gens nous apportant un énorme bouquet et leurs bons souhaits. À nos pieds roulaient les eaux argentées de la Jounda. Aucun bruit ne troublait notre solitude, si ce n'est lorsqu'une légère brise, soufflant le long du fleuve, venait nous apporter par intervalles les éclats d'un orchestre anglais célébrant dans quelques messes l'arrivée du nouvel an. Enfin, à 3 heures du matin, nous regagnâmes toujours silencieux nos appartements. Dans cette même matinée, me promenant parmi les ruines de palais qui garnissent la rive de la Jumna en aval du Taj, j'assistais à un curieux et touchant spectacle. J'allais descendre un de ces grands escaliers de pierre qui conduisent à la rivière, lorsqu'un chant plaintif, entrecoupé de sanglots, vint frapper mon oreille. Je m'approchai doucement, et me cachant complètement derrière un arbre, j'aperçus une vieille femme, pauvrement vêtue, qui sanglotait, la figure plongée dans ses mains. Au pied de l'escalier, sur le bord de l'eau, se tenaient deux jeunes hindous. L'une d'elles, nue jusqu'à la ceinture, debout, les bras levés au ciel, chantait, d'un ton étrangement plaintif, une de ces berceuses avec lesquelles les femmes indiennes endorment leurs jeunes enfants. Tout en chantant, elle prenait dans une corbeille des fleurs effeuillées et les laissait tomber dans l'eau. Je ne pouvais me rendre compte du but de cette étrange cérémonie lorsque, me penchant un peu, j'aperçus flottant sur l'eau une sorte de petit radeau d'osier sur lequel était étendu le cadavre d'un jeune enfant. La pauvre mère, n'ayant pu faire les frais du bûcher pour consumer les restes du pauvre petit être, s'était décidée à les confier aux eaux saintes de la Jumna. Elle était là, accompagnée de sa sœur et de sa mère, faisant à son enfant ses derniers adieux. Après être resté un instant en contemplation devant ce saisissant tableau, je me retirai, sans que les pauvres femmes eussent pu soupçonner que j'avais été témoin de leur douleur.